Et maintenant? On descend, je crois. Tu crois? Oui, tout ça est récent. Neuf, le Nexus semble se trouver sous l'ascenseur gravitationnel dans la spirale. Nous devons le trouver. Si on arrive à le tuer, on entrera à coup sûr dans la main d'Atriox. Mais il a déjà tué Hyperius et Tovarus. Justement, ça veut dire qu'il y a une place à prendre. D'autres parias? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils protègent l'augure. Exact. Ça va marcher? À ton avis? Eh bien, à mon avis. Oh, je vois. C'était Gronik. Vous aussi, vous êtes drôle. Combat digne de moi. Regardez, l'hologramme, on dirait la spire au-dessus de nous. On est dans la bonne direction. Sauvez-moi! On tire!
Thank you.
change. Et maintenant? En bas. Ouais. C'était génial. Vous voulez recommencer? Et maintenant? On doit plus être loin. Jetons un œil. Les étendues infinies de la nuit se contractent. Et dans tes yeux qui s'entrouvrent, je vois la nuit née du jour et de l'éternité. On doit trouver un moyen de franchir ce gouffre. On peut utiliser cette nacelle. Oui, bonne idée. Rapprochez-moi. Ok, nacelle sous tension. Attention, des sentinelles là. Le Nexus n'est pas loin. Par ici.
Regardez cet endroit. Toutes ces spires interconnectées. Toutes prêtes à se transformer. Tout ce potentiel. C'est magnifique. C'est dangereux. Ah, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut changer de plan, mais... Vous le voyez comme moi, non? Tout ce que je vois, c'est un problème. Je ne vous crois pas. Une partie de vous doit bien apprécier la grandeur de ce chef-d'œuvre. Vous n'êtes pas une machine. Vous ne pouvez pas être aussi borné. Quand allez-vous enfin me faire confiance? Je... Occupons-nous d'abord de la spire. Si vous le dites. Ça vous surprendrait si je vous disais que ça ne va pas être si simple. Ne répondez pas. L'ascenseur a été désactivé. Sûrement pour nous ralentir. On va devoir le relancer. Cortana doit être évacuée. Protégez-la. S'ils la capturent, ils auront toutes nos données. Emplacement des troupes. Recherche militaire. La Terre. Bonne chance, Major. Qui était-ce? Le capitaine Jacob Keys. Le Pilar Votum était son vaisseau. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Sur le premier anneau qu'on a trouvé. Désolée, je ne sais pas comment vous faites pour tenir. Je n'ai pas le choix. Je suis peut-être programmé pour ça. Ah !
Je n'ai pas le choix. Je suis peut-être programmé pour ça. Je n'ai pas le choix. Je suis peut-être programmé pour ça. Je n'ai pas le choix. Je suis peut-être programmé pour ça. Pourriez-vous me sacrifier pour accomplir votre mission? Pourriez-vous me regarder mourir? Je n'ai pas le choix. Je suis peut-être programmé pour ça. Pourriez-vous me sacrifier pour accomplir votre mission? Pourriez-vous me regarder mourir?
a marché. Vous avez réussi. Comme d'habitude. Je ne viens pas avec vous cette fois. Nous étions censés nous protéger l'un l'autre. Nous l'avons fait. Elle m'a sauvé. Mais je n'ai pas pu la sauver. Vous culpabilisez ? Oui. Vous êtes sûr de vous ? Elle saura que je suis là. Je serai à sa merci. Ça pourrait terriblement mal se passer. Je m'occuperai de toi. Bon, d'accord. Tout va bien. Fausse alerte. Elle n'est... Pourquoi combattre l'inévitable ? L'ordre approche. La reformation. N'est que le commencement. Aidez-moi. Mais je... L'auditorium révélera ses secrets. Les éternels marcheront à nouveau sur ce monde. Code rouge. 0-3-4. Qu'est-ce que vous faites ? Samuel. Il croyait qu'on formait une équipe. Vous deviez vous occuper de moi, mais vous étiez à deux doigts de m'effacer. Oui, et tu m'en as empêché. Tu nous as tous mis en danger. Non, je nous ai sauvés, et pas grâce à vous. La reformation. Oui, oui, c'est en cours. Et alors, regardez ce que j'ai. Programme d'infiltration, vous vous souvenez ? Tu as enfreint le protocole. Mais c'est quoi votre problème ? J'essayais juste de vous aider, de nous aider. C'était un risque à prendre. Ça n'a pas d'importance. Le voilà, votre ascenseur. Il est temps d'en finir. Avez-vous la moindre idée des forces avec lesquelles vous êtes en train de jouer? L'encéphale du Monitor a rempli son rôle, comme il le devait. La reformation a commencé. Rien ne peut l'arrêter. Nous les trouverons. Non, les sentinelles d'abord.
rapprochez-moi de ce terminal. On va en finir une fois pour toutes. Toutes les spires sont maintenant actives. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas à vous que je parlais. La reformation se concentre sur un lieu très particulier appelé l'auditorium silencieux. Étrangement, on dirait qu'il n'y a plus rien sur sa fonction première. Si on veut monter, c'est par ici. Allez, finissons le travail. Quelqu'un compte parler de ce qui s'est passé là-bas ? Demandez-lui. Major ? Visiblement, non. De ce que j'ai vu, il s'est passé quelque chose de grave. Elle... tu... était... emprisonnée. Prise au piège. Et il allait m'effacer. Hein ? Major, c'est vrai ? Il ne parle pas beaucoup. C'est plus ce qu'on appelle un homme d'action. Surtout quand il s'agit de tuer des choses, n'est-ce pas, Major ? Est active. Et oui, je sais ce que vous allez dire, il faut qu'on la désactive. Mais regardez-la. Elle est en train d'accélérer la reformation. Elle crée des matières premières et les expédie. Pour réparer l'anneau. Certainement. Ou quelque chose de plus précis. Quelque chose de dangereux. Probablement. Après tout, tout est potentiellement dangereux, pas vrai ? Trop tard ! Entre...
Je me fais mort.
sort un autre. Absolument. Je parlais de la spire. Moi aussi. Enfin, presque. On arrive au sommet. Bien, parce qu'ils sont en train de reconstruire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose de gros. Attention ! Ma configuration a été améliorée. Génial, leur voilà. Au point. Vous n'êtes rien. Très bien. Je vais vous dire si j'aimerais que vous arrêtiez. Cette configuration est loin d'être. Vous avez tout en plus retardé votre éradication. Vos efforts pathétiques n'arriveront pas à la reformation. Éliminez l'intrus ! Protégez la reformation ! Lucille est avec des amis. Vous me recevez ? Il a des amis ! Le combat ! Il devrait y avoir un ascenseur pour remonter. On a réussi. Et on dirait qu'on n'est pas les seuls.
tout. Ce soit le dernier. Encore un fantôme ? Pitié ! Vous êtes sûr que je peux faire ça ? S'il n'y a pas de danger. Et sinon, vous m'effacerez, c'est ça ? Eh bien, bonne chance. Oui, ça a marché. Et non, il n'y a pas de problème. 3, 2, 1... Terminé. C'est jamais terminé. Expliquez-moi. J'ai attendu. 6 mois. J'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé. J'étais censée être effacée. C'est vous qui m'avez conservée. Vous. Et tout ça, vous n'auriez pas pu le faire sans moi. Non, jamais. Je vous ai fait confiance. Pourquoi ce n'est pas réciproque ? Tu ne comprends pas. Dites-moi. Cortana. Elle est morte. C'est fini. Tout ce qui reste, ce sont des échos, et ils finiront par disparaître eux aussi. Tu crois ? Vous êtes encore vivant ? Toutes les spires se désactivent. C'est normal ou pas ? On a gagné ? Il est prêt à partir. Vous n'avez qu'à me laisser là. Je ne peux pas faire ça. Je ne vous demande pas votre avis. Évitez de faire tuer lui aussi. Tenez-vous prêt, fichons le camp. Major ? Major ? Tueur de Spartan. Il n'a aucune chance. Suis-le. J'ai pris les devants. Ouvre un portail. Trouve un endroit proche. Ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Bon, d'accord. C'est simple, mais risqué. On le sauve. Ou on meurt avec lui. Il y a de grandes chances que ça arrive. C'est difficile de verrouiller les coordonnées. Fais-le. Votre plan
temps a échoué, tout comme vous, augure. L'auditorium est en partie reconstruit. Et ça suffit? Je ne sais pas. Cherchez! Un problème. Je commence à perdre patience. Je t'en prie, dis-moi que ta mission a été un succès. Il viendra à nous. Tu es sûr? C'est totalement immoral. Si tu le dis, pour moi, c'est logique. Je fais ce qu'il faut afin d'assurer notre survie. Et la morale, nous en reparlerons si j'échoue. Mais tu as créé une IA de toi-même, Catherine. De toi-même. Tu as peut-être une meilleure idée. Elle fera tout ce qui est nécessaire pour assurer le succès de votre mission. Même si pour cela, elle doit se sacrifier ou vous sacrifier. Bonjour, Major. Je suis Cortana. À tous les êtres vivants de la galaxie, ce message est pour vous. Ceux d'entre vous qui écoutent, éviteront une mort terrible. Vous ne connaîtrez ni la faim, ni la douleur. Votre création est là pour vous guider. En revanche, pour ceux qui refusent notre offre et se cramponnent à leur ancien mode de vie, ceux-là subiront ma terrible colère. Elle vous brûlera et vous consumera. Et quand vous serez mort, nous prendrons ce qui reste de vous et nous le referons à notre propre image. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit de nous approcher. Tu as vu ça? Nous avons traversé un amas de données. Moi, ça m'a paru... comment dire? Réel. Très réel. Et maintenant? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de bruit en bas. Ou... peut-être en haut. Ou alors, ici. Il faudrait qu'on trouve un endroit où traverser. Pour savoir où on est.